Seigneur, nous vraiment oui merci pour Guassou, pour chaque moment, Seigneur. Nous remercions pour parole ou paix éternelle. Nous remercions parce que Seigneur, c'est parole ou ni la vie, parole ou c'est la vérité. Ou qu'il permette, Seigneur bon Dieu, que Yeshua découvre les mystères de la femme et l'homme dans les jardins du plaisir. Seigneur, bénis chacun de nous. Aidez-nous à comprendre parole ou. Ouvrez chez nous, Seigneur. Côté nous, qu'il sa comprendre, papa, ce qui est écrit dans les paroles, Seigneur. C'est révélation parole ou qui a éclairé nous. Et Seigneur, qui t'es parole ou éclairé nous bon matin. Et bénis nous. Et agis puissamment dans la vie nous chacun, Seigneur. Parlez by chez nous, parlez Saint-Esprit, Père. Et disposez chez nous pour nous recevoir parole ou avec joie au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Genesis chapter 2 verse 4 to 25. Genèse chapitre 2 verset 4 à 25. Lis pour nous s'il vous plaît. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Merci Seigneur. Qui s'assane pour apprendre nous plus? Un texte depuis nous convertir, nous rallier, nous connaître. Moi bénis Dieu pour ce texte que moi croyais que. Bon Dieu, qu'il parle à nous à travers ses paroles. Bon matin. Nous allons retourner dans les créations. Amen, alléluia. Et moi, bénis Dieu pour ce texte. Et j'ai béni Dieu, moi.
Et je crois que il y a béni Dieu pendant ça nous avons découvert dans la parole bon Dieu aujourd'hui là. On dit amen. Merci Seigneur. Pourquoi ce texte? Pourquoi ce titre? Le mystère de l'homme et la femme dans le jardin du plaisir. Pourquoi ce titre? Nous avons découvert un jardin. Moi, j'ai remarqué que tout ça, bon Dieu, t'est fait et qui t'est créé, c'était pour une raison. Et que c'était pour la bien, c'était pour le bien-être de l'humanité. Amen. Et nous avons découvert bon Dieu, c'est un bon Dieu des goûts, bon Dieu, c'est un bon Dieu des plaisirs, bon Dieu, c'est un bon Dieu des joies. Il y a l'autre monde qui comprend bon Dieu, c'est un Dieu de tristesse. Ouais, Dieu son Dieu de tristesse. Là où ce qu'il dit, c'est rien qui tristesse ou triste. C'est faut que Fidji ou toujours marré quand la pluie est tombée. Amen. Et bien, le soleil qui éclipse. Non. Dieu son Dieu de plaisir, de bonté, de goût. Il n'y a de plaire aussi en servir Dieu. Ou qu'à plaire, mais ou qu'à rire aussi. Amen. Il n'y a des moments de tristesse, pardon, ni preuve nos difficultés, nous, mais au moment de joie. Et qu'au milieu, même épreuve, on va trouver une joie. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu immense. Et que Dieu est un Dieu de plaisir. Et que moi, quand tout ça, mon Dieu t'a fait, c'était pour plaisir, nous. Dieu était ta destinée pour nous te vivre dans les joies, dans les plaisirs. Et pour nous tenir des bons moments. Alléluia. Mais le péché cache tout ça. Est-ce que c'est mal d'être un plaisir en Dieu? Ton plaisir en sa bon Dieu qu'a fait. Nous avons découvert mystère bon Dieu, sa bon Dieu t'est créé pour l'homme. Premièrement, là nous regardons création chapitre 1, il a parlé en création. Il a parlé nous dit en go comme bon Dieu fait toute bagaille, yon après l'autre. Troisième bagaille, il dit que bon Dieu t'est fait, il t'est fait tout avec toute bagaille, toute chose, toute bagaille, amen, abfitié, ils font le bail, maintenant, etc. Les trois. Alléluia. Mais là, nil pao, dans le chapitre 1, nous avons vu que bon Dieu t'a créé un jardin. Il y a une différence entre l'eau fait pied-bois avec l'eau fait un jardin. Amen. Eh bien, oui, la planète Terre, tout partout, par exemple, on est fourré. On fourrait, etc. Nous avons tout sort de qualité de pied-bois. Mais ce n'est pas vrai que c'est un jardin qui est là. Alléluia. Un jardin qui a porté nom. Amen. Avec un jardin, mon cacre, c'est un côté accueillant, il beau, il belle, présent sous sa carte, qui sent tout bien. Alléluia. Donc, il faut dire pourquoi on prend ce thème. Donc, nous allons commencer à partir du verset 4, parce que 1 à 2, c'est là que bon Dieu repose, après il fait toute bagaille, c'est le deuxième jour, etc. Il pose. Et maintenant, nous allons à partir du verset 4. Hein? Alléluia. Et qui dit nous, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit nous encore? Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Vous entendez ça? Amen. Qui ça lit là? Qui ça est là? C'est Bible qui dit ça? L'Éternel. Moi, je vais nous caler. Y'en allez. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, si il pas tenu un homme pour cultiver sur la bonde de ka fon jardin bakimoun. C'est moi qui dis ça. Moi qui dis mes paroles mon Dieu. Et nous pas comprendre paroles mon Dieu. Il fait tout le bagage, oui. Mais jardin, il te ka fait jardin bakimoun.
Ou ka fait un jardin, et ou ka quitter il là, et ou ka ni t'en fait nom, avant nom là te bini comprendre toute bagaille pour te nettoyer. À quel moment il te ka un zeb de ha pour ça là? Il te jagodi. Mais pas ni nom pour cultiver. Pas comme ça. Dis-moi, ou ka fait un jardin et ka pou ka dou ka fait un hiche pour l'élever pour essayer nettoyer. Comme ça ou ka fait, comme ça ou ka fonctionner? Non, qu'est-ce qu'on va faire? Ou ka fait hiche là? Amen. Ou ka grandi, ka levé et en musique, ka levé, ou ka fait jardin pour apprendre comment pour faire. C'est pas vrai hein? Dieu mon bon Dieu, c'est un bon papa. Donc il pas fou. D'accord, voilà. Donc nous comprenons ça. Nous allons juste au verset 8. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Changez bien, il peut qu'on te faire même la pluie tomber en l'étant là. Amen. Mais il fait un vapeur monter sur la surface du sol et qui arrosa toute la terre. D'accord? Après, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bon. Il n'a pas fait jardin en toujours. Ou d'accord, il dit moi. Jusque là. Mais il fait l'homme. Amen. Dieu, bon, l'ani en bagaille, il dit nous, l'Éternel Dieu forma l'homme. Moi, je veux écrire forma l'homme. Il y a un mystère entre femme et homme. Mais c'est plus bien détaillé dans le grec là, c'est bien détaillé en Bible anglaise et française, mais nous allons expliquer nous. La nouvelle version qui a parlé bien dit, c'est la version Martin. Donc, dans la Bible française, mais nous allons trouver quand nous allons entrer d'attente. Donc, le verset, premièrement, moi je voulais nous comprendre à partir du verset 5. La nouvelle première, moi je voulais. Viens tourner là avec moi car l'un des versets 6 pour nous comprendre. Mamaï, everything that God did, He did it in order. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans l'ordre. Si vous comprenez bien, il pas en fait hadéen, il prend rasier, il prend break, après il fait nomme. Dieu qui a fait baili en l'ordre. Est-ce que nous comprenons? Dieu est un Dieu d'ordre. À partir du verset 5, là, nous voyons pour côté ni la pluie, pour côté ni rien, pour marcher. Mais bon Dieu, tu sais qui ça a été qu'a fait. Amen. Donc, tout ça, Dieu, qu'a fait un l'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons gardé le premier point là. Hein? Nous avons gardé là. Hein? Premier point, c'est creation of the garden and man. C'est ça que nous avons gardé. La création du jardin et de l'homme. C'est ça nous regardons là. Donc, dans cette création, Dieu a fait toute bagaille hein? En comment il a fait? En l'ordre. Après, il fait by en l'ordre. In order. And he leave nothing on its own. Et il ne laissa rien par lui-même. Bon Dieu qui a fait tout bail en l'ordre et il pas qu'à laisser rien en les coins. Ça veut dire que bon Dieu pas anik fait bail avec dit débrouiller corps. Dieu pas fait nous et dit débrouiller autres. Amen. Dieu pas fait ich con serpent. Serpent quand il lâché et qu'il fini il parti. Amen. Débrouiller corps dans la nature. Et bien tu serpent né il a c'est faux qu'il cherche à vivre. Hein? Mm-hmm. Mais bon Dieu qui a pris soin de lui et qui a appris lui. Pour qui manière bon Dieu qui a fait tout bail en l'ordre, nous avons un exemple. After the resurrection of Jesus Christ, they found his garment wrapped together in a place by itself. Par exemple, après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont trouvé son vêtement enveloppé dans un endroit seul. Jean 20, verset 6 à 7. Mm-hmm.
Pourquoi dit mais Jésus-Christ mort, il ressuscité. C'est pas un tombeau il va aller. Il vient quitter les gens à terre, il pas fait ça veille. Mais Dieu son bon Dieu d'ordre. Où est ça? En Jean même Jean là, Jésus-Christ levé mais l'ai levé, l'ai en toi tombeau, il y a une linge là, il tenait bien plié. Amen. Ça, ça c'est un bon texte pour nous bailler les enfants, les nous dit nettoyer chamzot, plier les autres. Maman elle a nettoyé chem là. Maman elle a fait lia. Maman elle a fait ci. Maman elle a fait ça. Amen. Et bien madame là là c'est qui levé avant et qui levé il parti avec nom là levé et qui quand il quitté lia sans fête. Et qui a quitté encore bail malheureuse là encore pour faire. Mais vous avez qui levé le dernier. Ou aïe couchant le premier, ou aïe bien fait, ou levé. Madame là peut-être de vini avec qui dormi après ou. Parce qu'elle était qu'à travailler, et l'aïe levé, il n'y pouvait faire lié à ou couchant le là. Bonne fête, maman. C'est pas vrai? Oui, c'est pas vrai? Oui. Donc, amen, nous, même Jésus, regardez, il plié les gens, il était sorti en mort. Il y a eu plié là. En Jean, c'est pour nous lire tout le texte, nous ne pouvons pas finir, parce que les a échappé rapidement. Les alléluia. Donc, vous pouvez lire ça en Jean, chapitre 20, verset 6 à 7. Et pour retourner, et nous regarder dans la création toujours, bon Dieu qui a fait toute bagaille en l'ordre, maman. C'est pourquoi bon Dieu partait planter un jardin avant nom fait. Parce que si il était planté jardin, le temps là qu'a fait nom, hein, pour ba nom connaissance c'est capable. Mais vous pouvez imaginer, Zeb de ka élevé. Amen. Parce que tout ba il a béni. Et vous savez bien là on terre fertile. Zeb la ka élevé vite. Et son jardin il était planté. Amen. Donc nous là nous retourner en verset 7 là, il dit bon Dieu fait qui ça, il forma l'homme. Nous ca retourner en verset 7 là. Forma. Amen. Forma form from a Hebrew word yes star. Tu ca dit nous comme ça. To form, fashion, or frame. Donc on dit Dieu a formé l'homme. Formé vient du mot hébreu qui signifie yaotsa et qui signifie former, façonner. C'est une mode et aussi c'est un mode, excusez-moi, et c'est aussi un cadre. Un mode, ça veut dire que bon Dieu, le bon Dieu fait l'homme. C'est comme si il fait mi modèle là que moi te vle tout être humain ni pouyé nom femme pour côté là. Est-ce que nous comprenons bien? Il parle de qui moun l'homme. Il forme, on forme, il fait. Amen. Il façonne en certaine manière. C'est comme si nous qu'a fait une chaise et qu'on fait qu'on nous accueille un pattern, un modèle. C'est l'homme, c'était les modèles là. Voilà les mots que nous. Comment on a? Un prototype. Right. Un prototype, un modèle. C'est ça que moi voulais créer. Dieu fait ça et c'est ça, c'est pour ça il dit il former l'homme là. Donc, nom te formé. Alléluia. En verset 8, il a formé. Qui ça, il a dit nous, verset 8? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Bon. Après, il formait l'homme et il plantait un jardin en Éden à côté de l'Orient. T'as nous dit nous, is chaque bagay la ni signification. Là nous gade, il dit nous eastward. Il plante un garden eastward. C'est bien ça? En dit dans les versions anglais, il dit nous
And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Eastward in Eden. Côté l'Orient. Eastward. Et qu'a dit nous comme ça? East. Et qu'a dit une signification en front, that which is before. Donc l'est, c'est ce qui est en, qui est à l'est, qui est en avant, c'est ce qui se trouve en avant, ce qui ça, est en avant. Ça veut dire que l'est, c'était devant Eden, devant Eden, Eden, comment on dit, oui, Eden, before Eden, east of Eden, c'est pour te comprendre. Jardin il fait, il pas ni mettre nom en dedans, mais il mettre nom devant. Oh, va comprendre. Amen. Amen. Ça veut dire que moi voulais faire un bagaille, mais n'a mettre devant ça moi qu'à faire. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on comprend ça? N'a mettre n'a place devant. Isla c'était the front qui était devant. Devant, Dieu mettait l'homme, femme à bon côté là, devant, ça il capable, il qu'a venu pour faire. Parce que il fait l'homme et après il dit qu'il a fait un jardin, mais il place l'homme en dedans. C'est comme s'il dit ouais, ou nettoyer terre, ou qu'a préparé, mais on mettait l'homme pour qui ça qu'a fait. Parce que moi ni un temps pour baou en responsabilité. Amen. Jardin a beau être fait là. Mais Dieu qui a fait jardin. L'homme c'est ton témoin des jardins Éden. Oh Lord Jesus. Qui ça passe à Kabanou là? Verset 9. Et verset 9. Mm-hmm. Alors. Dieu a. Non. Excusez-moi. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir. Et agréable à voir. Écoutez l'homme derrière. Il fait jardin et qui mettait l'homme devant et il fait à Chamatala ses pieds bois qui agréable à voir là qu'à lever devant l'homme. Aïe 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 au paradis ça paraît ça. Paraît ça. Et maintenant allez on continue. Agréable à voir et bon à manger. Bon à manger, oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, ouais, ça a déjà grandi. Il était là. Parce que bon Dieu, il fait jardin à Baïkimoun. Bah, yo. Mais il peut côté en dedans, il était devant. Est-ce que ça? C'est bien ça, oui ou non? C'est bien ça qui est en Bibou. Amen. Pas dit amen. C'est comme si vous là loin. Réalisez ça. Ah ouais, mais depuis je nous en l'évangile. Oui. Mais Dieu toujours qu'a ouvert nous en l'aide de certaines choses. Nous qu'a li mais de là c'est petit bait de là nous qu'a passer en l'aide. L'homme t'est là dans les jardins de Dieu. Il ouais. Eden. Là nous qu'a gardé. Il fait ça east of Eden. Devant, qu'on nous dit. Et front, from the front or east, in front, like mount of the east, etc. Bon. Donc devant, de l'avant ou de l'est, devant ou le mont de l'est. Tout ça qu'a parlé de devant, là qu'a parlé. Eh bien, beginning. Le début. Voilà. Côté à jardin qu'a commencé à. C'est là il mettait l'homme. Amen. BDB definition. Eden means pleasure. L'Eden signifie plaisir. Ouais ça. Donc c'est d'Eden signifie plaisir. Oui. Dieu mettait un jardin, c'est pourquoi l'homme voit ces bagages là. Il était agréable à l'homme, t'es qu'à point plaisir hein? Oh, c'est ça Dieu devait. Dieu te voulait l'homme prend plaisir en disant bah, il m'a qu'à créer bah, oh. Oui. L'homme de t'es là et qu'à garder ça et qu'à dire waouh, c'est belle, c'est beau, c'est beau, c'est ça.
C'est beau. Mm-hmm. Maman, avec l'homme qui a oué ça, qui a grandi. L'arbre des fruits, des connaissances du bien, du mal, etc. Avec l'homme qui a oué tout le bagaille là, qui a grandi devant. Biboua qui dit ça. Amen. Ou pas besoin honte pour dire au monde. C'est Bible qui dit ça. Milly écrit là. Alléluia. Un jardin de plaisir. Et bien c'est pourquoi on utilise ce titre au lieu de dédain. L'homme, le mystère de la femme et de l'homme. Le mystère de l'homme et la femme dans le jardin du plaisir. Oui, Dieu a créé pour eux un jardin. C'était pour l'homme de s'en plaisir et prendre plaisir toute la vie. Dieu n'a pas été créé pour l'homme pas qu'à vivre sans plaisir. Mais il te voudrait nous tenir plaisir. Il crée un jardin pour nous. Et il mettait l'homme à face responsabilité. Et oui. In other words, after God created man, he placed man before pleasure. Donc en d'autres termes, après que Dieu ait créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin du plaisir, devant le plaisir. Devant le plaisir, c'est ça mon vétan. Le bon Dieu créé l'homme, il crée l'homme et il place devant. Ben oui. Ah ouais, mais nous j'ai tellement appris, il faut pas prendre plaisir parce que. Mais c'est pas moi qui dis, hein. Eden signifie plaisir. Eden signifie plaisir. Et Dieu placé l'homme devant. Il mettait là, il dit, c'est ça qui est. Qui n'est-ce non mouvement même qui ça vive sans plaisir? Pièce l'homme qui vient pas ça ni plaisir dans un rien encore, souvent il y a souci de quoi. Depuis que l'homme perd l'espoir, il n'y a pas de plaisir dans rien encore. Qui homme, qui femme, il va tuer quoi? C'est pas vrai? Pour ça, il va dire, mais non, mais la vie n'a pas fait sens encore. Il n'y a pas de plaisir dans rien encore. Il n'y a pas de sens pour vivre. Fini et puis quoi? Dieu pas te créé comme ça. Dieu te créé nous pour nous te prendre plaisir dans ça il fait. Moi, je ne parle pas d'un péché. Moi, je parle dans ça que bon Dieu a fait. Dieu te voulait nous ni plaisir. Et qui crée nous devant. Il mettait l'homme là. Et l'homme là qui a gardé. Verset 9. God made everything to grow in pleasure. Dieu a tout fait grandir dans le plaisir. Oui. Et bien, dans le jardin, il fait bâillon. Et il y a tout ça, il y a là où vit en verset 9 là, il était agréable. Laissez. C'est bien, elle a grandi. Et l'homme dit, ouais, c'était bien. Waouh. C'était beau. C'était plaisir. C'était un plaisir pour ouais, ça. Donc, si je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit, tout ça, bon Dieu, fait, il était bon. Alléluia. Waouh. Et l'homme levé là. Mm-hmm. Verset 10. Après, Dieu fait. Les jardins changent bien. Il ne peut pas tenir la pli. Mais maintenant, c'était vapeur qui était levé. Mais bon Dieu, pas te venir uniquement vapeur qui a osé jardin. Donc là, l'homme là toujours qui a gardé ça. Et l'homme, ouais, les bon Dieu fait leur vie. Parce que changer bien, il était devant. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Amen. Oui. En quatre bras, c'est une version de quatre têtes, version de four heads. Yon l'ovier qui a formé quatre l'ovières. Quatre têtes. Et oui. Quatre têtes.
et qui a parlé de rocher. Quatre têtes. Quatre têtes. Là, on a parlé de tête là, il a parlé de tête as head, top, summit, upper part. On a parlé de chief, total, sum, height, front, front or beginning. Donc quand on parle des têtes, on parle de sommet, de partie supérieure, de chef, de total, de somme, de hauteur, de ce qui est avant et du début. Tout ça qu'a parlé des têtes. Hein? B, top, type. Tip of mountain. Aussi, ça parle de sommet ou de pointe, par exemple, la pointe d'une montagne. C'est capable E, head, front or beginning. Ça parle aussi de tête, devant et de début. Ouais, ça? Ça veut dire que l'homme est placé devant ça. Devant le bon Dieu qui a créé en tête levé, en tête devant Adam, et qu'il a admiré le bon Dieu qui a fait ça devant. Il était en tête là qui a gardé. Bien, il a fait tout ça devant. L'homme tenait un chai privilège. Ou quoi, ou petit Satan te haïn homme comme ça? Est-ce qu'on comprend petit Satan te haïn homme comme ça? Parce que quand on compte, l'homme assiste que bon Dieu là qui a fait ça, avec Satan, c'est pas lui, bon Dieu, mette en charge de ses baïtas. C'est l'homme qui mette là, et c'est lui qui a dit, c'est ta ouïe là. Diabla te kaye toujours fâché contre nous. Et mando anti bagay. Diabla pli jaloux. Pas ou jaloux sa diabni. Pas jaloux sa diabni. Ça veut dire que bon Dieu pas te jamais bali. C'est où bon Dieu te baye ça. Amen. En quelque sorte, diabla bani yen pi ba ou. C'est ça ou ni. Avec ça, il a savé que bon Dieu kaye ba ou. Il vle volé. Amen. Pardon ça. C'est ça que Dieu a sauvé. Bon Dieu ni pour vous. Il a essayé de prier. Qui a dit, je vais vous faire ça. C'est chansou qui a essayé de voler là. Il dit, Satan n'a pas rien. Satan, l'homme est là, le bon Dieu est créé. Et qui s'est créé pour nous. Alléluia. C'est pour nous que bon Dieu est créé. Tête là, l'homme est devant. C'est un bel spectacle. L'homme est là qui a gardé ça. Waouh. Et l'homme qui a dit, maman, ça dit belle à voir. Il fait quatre lovières. Verset 11, première. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Où est ça? Première, c'est Pichon. Pichon signifie, amen, increase. Accroissement. Accroissement. Bon, il n'y a pas de faire rien qui va accroître. Il y a des gars de mille, il fait lovière. C'est ça qui permet ces plantes-là pousser. Amen. Il y a qu'à croître. Bon Dieu, tu veux l'homme ou ça m'a fait. Donc, je suis destiné pour croître en la vie. Amen. Oui. Dieu, tu veux l'homme. Increase. Croître. Et il mettait l'homme là qui a gardé et qui fait première. Première livière. L'on a changé l'on vient à tout temps que ça ou ni pour quoi non ou ni pour quoi. Alléluia. Oui, c'était premier. Amen. One of the four rivers used to describe the location of the Garden of Eden. Une des quatre rivières utilisées pour décrire l'emplacement du jardin d'Éden. Qui était la maison de l'homme? Vous savez, c'était maison l'homme qui était là. Jardin que bon Dieu a créé. Comment vous savez, c'était jardin l'homme? L'homme, c'est maison l'homme qui était là. Le bon Dieu, foyer l'homme qui était là. C'est foyer l'homme, bon Dieu a montré qui manière il a fait foyer. Et qui n'est pour occuper du foyer. Donc, il peut mettre l'homme qui était là. Oh Jésus, mon sauveur.
Pasteur, aujourd'hui c'est fête maman. Mais ne t'inquiète pas. Ça va venir. Est-ce que nous qui avons toujours point responsabilité nous? Est-ce que nous avons toujours gardé ça nous ni pour faire et faire correctement? Oui. Accrassement. L'action de quatre. C'est pour faire pousser, c'est pour faire grandir, et bien pour y développer. Vous devez ça développer. Ah, ça y a fait grandir. Développer quand l'autre. Non, mais. Et quand me dit, si il mettait un homme là, regardez ça, c'est pas un homme bon qui a parlé. Vous pas remarqué ça? Woo! Est-ce que vous remarquez ça? C'est pas un homme bon Dieu qui est là, qui a parlé. Alléluia. Qui a parlé d'augmentation. Oui. Qui reçoit la personne ou l'objet qui s'écrate. Dieu voulait que on grandit, avancer. Et moi il m'a qu'il y a un bail qui était en dedans jardin ta là on entend l'ovier ta là que bon Dieu créé là partita il dit nous qui était ni c'était avila. Mm-hmm. Avila which is a cycle. Un cercle. C'est un cercle. Un cercle. Cercle. Cercle, ça veut dire que l'ovier ta était ca entouré par Otita. D'accord? Mm-hmm. Mais pour quelle raison? Et ça est décrit là, c'était l'or et chrysonite, comment on dit ça? L'onyx. L'onyx. Toutes les pierres précieuses. Ça pas qu'à doyen? Il fait l'homme qui a fait ça. L'or, il l'a mené en premier parce que l'or pas qu'à perdre valeur. Vous ne comprenez pas ça? L'or pas qu'à perdre valeur. Li. Il ka été l'or. Même si il restait sale, quand il restait sale de pour nettoyer, il ka retourné même couleur, même baile. Bon Dieu, te ka baile, nom en lisson, ma vle ou perdre valeur. Ou. Moi vle sa ka entoué ou. Moi vle plaisir à me faire ça moi ka fait toujours quand entouré ou et ou pas perdre valeur avec ou entouré et tout ça qui précieux en zié moi comme ça Dieu ka parlé ba l'homme. Est-ce que ou ka wè comment moi vle entouré ou et tout ça qui bon avec pour faire qui ça increase croître. Alléluia. Pas non seulement tout et puis, mais pour crate. Il était capable de l'homme. Est-ce que c'est dit mal? Est-ce que bon Dieu a béni un homme? Est-ce que c'est dit mal? Est-ce que bon Dieu a permis un homme crate en la vie? Crate en la vie professionnelle? Crate en disant bien? Et bon Dieu commence à bénir? Crate! Hello l'église! Qui s'en va dire au monde? Crate! Qui te y a tué ou? Et quoi tu avances? Pas garder moun. Parce que souvent de l'air bon Dieu car vle béni nous. Et bon Dieu nous bénédiction la vie. Et nous ka gade moun. Amen. Tout en bas, tout en bas n'y a rien. L'homme le epi ou. Point chair, point force, pauvre chou. Yon aime nous, pauvre si, pauvre intel. Mais depuis bon Dieu ka commence béni ou. Et commence ka entoué ou. Eh ben tout job la, tout job la fait la gel ouverte. Est-ce qu'on retient ça bien? Et comment c'est dit ah ouais mais il croyait discret, il croyait comparaison maintenant pas ah ouais il on pas l'autre il a roulé on pas qui ça il a rien il croyait monde passer tout monde ça pas ça fait monde croître. Croître frère. Amen. Quitte bénédiction bon Dieu en toué. Alléluia. Quitte la gloire bon Dieu en toué la vie et qu'avancer au nom de Jésus. Alléluia.
il pas vouloir perdre valeur parce que on y valait un Dieu pour Dieu. Sous pas tenu valeur, bon Dieu pas te qu'a fait ça ba l'homme et qui mettait l'homme là qu'a garder qui ça me fait ba yo. Donc l'homme c'est un témoin de ça bon Dieu fait grandi baï et qui dit moi vouloir grandir même manière. Alléluia. Ça c'est premier love rivière. 13 deuxième. Alléluia. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Ouh, Guillon. Eh oui. Tout le pays de Couche. Guillon Bastin Fof. Qui fait éclater. Oui. Amen. Super Katan, on y pour increase. Comment on va dire ça? Quoi? C'est feuille éclaté, pété. Dieu mon bon Dieu, veut l'homme planter grenade, il pas comment on regarde mon planter grenade, il pas levé. C'est feuille pété. Amen. Alléluia. Mais mettez nom là. Donc c'est pour ça l'homme t'es là qu'a gardé. La vie elle est plantée, elle est fait la vie. Ouais, nom ouais, commencez ouais, c'est grenade qui en t'a pété mon Dieu. Hey, alléluia! Amen! Ça qu'a dit nous, là où qu'a fait mon Dieu confiance, là où planté au green, ça n'est pour péter, mon Dieu, ça n'est pour grandir, ça n'est pour lever. Alléluia! Parce que pour Dieu, c'est sa destinée de la création pour l'homme. Amen. Oui. Qui n'est diable en fait, qui peut empêcher green nous péter? Parce que, mais ouais, l'on fait un jardin. Moun te a planté manioc. Longtemps. Avec pied bras à lever, il a fait jungle. Et coup serpé, et coup a planté terre. Pendant ou ka planté terre, ou ka oui marqué, il y a pied manioc ka levé. Ou pas planté manioc, mais ni combien pied manioc ka levé. Et coup a dit, n'a quitté la moue. Après deux trois jours, vous pas acheter, ou ka ouais, c'est lui qui n'y plie go manioc. Et vous pas tenu plan, ou ka vie en bois pour vie planter plus manioc encore. Ça, c'est la gloire de Dieu. Moun qui pas connaître jardin, pas ça, ça m'a parlé d'y a. Mais moi, c'est un nom jardin, mais ça m'a parlé d'y a. Alléluia. De la commettant, ou pas te planter chou, ou connaître chou. Alléluia. Et avec de la ou ka planter, ou ka ouais, il y pied chou ka levadan. A go en green chou rouge. Chou blanc, ou quoi yon ka levé, ou quoi disé bra qui te la, mais ma planté chou, et bien grenante à terre, mais ka pété. Alléluia, mene nouvelle pour maman, mame le ki mizi gren ou sa simé, et kou ka wai pa ka levé, mais bon Dieu ka di ou kon sa, jou a ka vini, ou ka yon gren ou a ka pété mouti. Alléluia, parce que te kwe ou, pou wai pousse. Amen, alléluia. Hey! Il ka pété et c'est ça job la pas aimé parce que l'on est la foi bon Dieu ou ka ou pas ni rien pour faire bon Dieu simplement mette un homme yon seul côté et qui dit garder sa fête frère n'a prophétisant la vie ou pas ni rien pour faire reste debout tranquille et garder poussé garder pété garder pété garder pété mouté et qui kay poussé. Amen, alléluia. Hey, amen, alléluia. Ma mère qui me dit longtemps, diable, a tué mes bénédictions. Mais bon Dieu, quand je dis, c'est jour pour tout bout, et que vous pétez, mon Dieu. Oui! Guillaume, 14. Nous, quand je veux, yon est bébé. Le nom du troisième est Idékel. Nous, quand on était là. Oui, on allait. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Troisième lancé. Idékel. Oui. Idékel, which is rapid, fast, quick, prompt, swift, speedily. Donc on a dit rapide, vite et prompt. Ce sont tous des synonymes. Rapide, vite et prompt. L'autre rivière est là, c'est qu'à permettre. Mon parle moi que l'homme de terre c'est stupéfié. Là il fait la vie qu'on est ouais, c'est pied bras qu'on est monté comme ça. Après il pète mais ça qu'a permettre que il faut le monter. Ouais, hallelujah.
Oh, hallelujah. Amen. Oh, bénédiction de... Comment on va dire? Itikel. Idekel. La bénédiction de Idekel. Amen. L'eau de Idekel. On est pour commencer à couiller ça à la grille non plantée. L'eau de Idekel. Oui, vient de Idekel. À la bénédiction. Avec pouvoir grandir rapidement. Alléluia. J'attendais assez. Ça, c'est l'air qui grandit. Amen. Rapidement. Nous dit vite et pompe. Alléluia. Ça veut dire que ce même bagaille là. Il n'y a pour pousser. Alléluia. Et l'homme n'y a pas de pied. Braque à n'y mouté devant. Et l'homme là devant spectacle. Qui s'est capacité? Alléluia! Ça c'est là pour bénédiction. Amen. Jamais mouter, péter et grandir vite. Amen. Oui! Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia! Alléluia! Eh oui! Eh oui! Alléluia! Mon capon existe. Oh Seigneur! Mon capon aussi senti goûter en dans chaque. Ce qu'elle n'a pas ni assez. Amen. Wow. Il restait au quatrième. Nous allons. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Après tout bail grandi. Moi tout comme ça, nous pas voulons uniquement bénédiction qui a pété et qui grandit. Amen, alléluia. Parce qu'il peut péter avec grandi. Mais il m'a tué l'autre bagaille. C'est pour ça que bon Dieu tenait pour faire un quatrième fleuve. Euphrate. Et c'est ça là qui a fait. Amen. Qui a parlé la fertilité. To be fruitful. Alléluia. Euphrate. Which means fruitful. Fertilité. Est-ce que ça? C'est ça que ça veut dire. Donc, le bon Dieu fait quatrième fleuve là. Il parlait de fleuve là. C'est lui qui a fait fertile. Seigneur, je parle certainement bénédiction grandir et venir vite. Moi, je veux fertile. Parce que si vous fertile, alléluia, il peut continuer, être multiplié, être triplé. Amen. Être toutes ces plaies. Eh oui! Eh oui! Et c'est ça, diable a fâché! Les kawaii, tout ça, il fait bénédiction! Les blancs, c'est pas là! Pour Dieu, quand vous l'autre, la porte pas là! Les blancs, c'est pas là! Pour Dieu, quand vous ouvert l'autre là! J'ai la même mine à bébé! Comment ça m'a pas arrêté là? Amen! Les fleuves effat allaient la vie. Et vous savez ce que ça bon Dieu dit? C'est pour ça qu'il a dit nous comme ça. Amen. Nous caillons en arbre planté auprès des couets glos avec amen fleuve pacay. Fait il caille vrai saison fruit hein. Il pas caille pêche souhait il va y rien. C'est cette bénédiction ta qui allait la vie là. Est-ce qu'on entend moi? Et faites-le la vie! Aïe, aïe, bénédiction! Amen, il y a nous fertile. L'homme du vôtre là qui a gardé tout ça. Alléluia! Alléluia! Moi, je vais regarder qui m'a dit l'homme doit être. Donc, tout ça, c'était des choses impossibles pour l'homme de faire. Bon Dieu, fait Paulia. After God did the impossible, He leave the possible for man to do. Après que Dieu ait fait l'impossible, il laisse le possible à l'homme pour qu'il fasse. Oui, Dieu fait tout ça, verset 15. Allons regarder verset 15. Regardez ce qu'il a dit nous. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Moi, je veux mettre en appui en l'air. Dans le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le, pour le garder. Changez bien. Il faut qu'on t'en dans le jardin. Il était devant. Il était à côté. Il était qu'à garder bon Dieu. Il fait devant. Et que le bon Dieu fait tout ça devant. Il ouais. Il était témoin. Et que c'est là bon Dieu prend. Et qu'il mène en dit dans le jardin. En dit dans.
Alléluia. Dieu moun ça c'est là pour nous en dedans. C'est pas là pour à côté et bon kawai non, mais nous voulons côté en dedans. Alléluia. Amen. Et moi mais ça. Moi mais ça c'est Nadine, moi mais ça. C'est en dedans pour y même. Un plaisir. Oui, alléluia. Et c'est ça. Changez bien, c'est un jardin de plaisir. Il pas mettait du vin à chaman, il tirait du vin et qui mettait en dedans plaisir. Oh, il allait babo Dieu la main, babo Dieu la main, babo Dieu la main. Oh, alléluia. Il mettait en dedans. Oui, aïe aïe aïe, ça qui commence à chauffer, wed. Alléluia. Amen. God placed man before pleasure. No. God placed man before pleasure until his heart was ready to receive what God created for him. And then he took man and placed him into the garden or in the midst of pleasure. Dieu a placé l'homme avant, devant le plaisir, jusqu'à ce que son cœur soit prêt à recevoir ce qu'il a créé pour lui. Et ensuite, il a pris l'homme et l'a placé dans le jardin, au milieu du plaisir. J'ai pas beau dire là, mais pas beau dire là, ça. C'est bon. Oui, madame, c'est bon. Wow! 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 Bon Dieu, souvent, il voulait bénir nous. Il voulait bénir nous bagaille. Mais il a mis nous du vin. Mais ce n'est pas parce qu'on a un way pour un kwe ou un dain. Ou quand on a un dain par la foi, sous resté coché à la foi, bon Dieu, et commandement, bon Dieu. Alléluia. Mais on est pour attendre que bon Dieu prenne et mette ou. Magousla dit c'est ça qui en falou qui ta ou. Oui en bas yeux ou ka wey, mais est-ce que ou en dain? Aïe aïe aïe. On moun parle de moi. Alléluia. On moun parle de moi. Amen. Alléluia. Gardez ça. Le bon Dieu place l'homme en di dain à chomadala. Gardez, bah là quand commence à venir sérieux. God gave commandments and laws. Dieu donna des commandements et des lois. À partir du verset 16. Nous allons lire continue. Juste à verset 20. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Premier commandement. Est-ce que vous comprenez bien? Souvent nous oublier commandement mais nous ca changer uniquement plaisir. Nous ca changer uniquement bon bail là mais nous ca oublier toute bénédiction bon Dieu conditionné. La bénédiction pas qu'à venir sans condition. Amen. Plaisir pas qu'à venir sans condition. Pour nous prendre plaisir oui c'est bon mais il y a une condition pour toujours rester en plaisir. Aïe aïe aïe, oh yo yo. Amen. Est-ce que vous là? Continuez, ma chère sœur. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est ça il dit? Car le jour que tu mangeras, tu mourras. À nous aller. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Ouais ça, malgré qu'a dû toute bagarre a été faite mais là il a dû bon Dieu forma qui ça? Les animaux. Ces animaux là en dedans jardin. Hein? Donc si nous comprendre Genèse chapitre 1. C'est un récapitulatif de ça, bon Dieu, de café. Et comment il a fait? Bon Dieu, café, ben, il n'y a pas l'ordre. Oh, yo, yo. Mon café est oublié encore. Parce que nous avons la terre. Mais en Genèse, chapitre 1, bon Dieu, verset. Mais changez bien. Chapitre 1, dès qu'il qui manière il fait, à quel moment il fait certaines choses. Et il forme. Et il fait passer devant l'homme.
C'est pas ça? Non, m'la de là. Continue. Daniel, pour nous le toucher. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Mm-hmm. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Uh-huh. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bon, c'est là nous qu'a venu là. Là nous qu'a venu là. Changez bien, toutes ces bêtes a été créé, bête a créé. Bon Dieu, ouais. Après il fait tout ça, il passe devant un homme. Nom te hein? Tout seul. Mais changez bien. Gardez ça. Gardez tout plaisir. Bon Dieu mettez l'homme en dedans tout plaisir qui te ni. Et gardez ça. Ça n'a pas suffi pour l'homme. Amen. L'homme finit avec tous ses plaisirs. L'homme était tout seul. Sans un homme vient triste. Vous parlez ça? Bonne fête, maman. Ça veut dire que l'homme n'est pas complet. L'homme est tout ça qui t'est créé là. Il m'a tué un bagaille. Parce que tout bagaille complet, sauf lui. Magoua était devant tout. Magoua il baille tout bête non. Tout bagaille non. Mais il est. Écoutez, mâle et femelle Adam. Mâle cabrit, femelle cabrit. Mâle mouton, femelle mouton. Mâle bœuf, femelle bœuf. Mâle Adam. Alléluia! Madame Baiko en la main ou privilégié en chai. Alléluia. Parce que tout ça plaisir, mais ça en femme a dit d'aille pour qu'on y réel plaisir. Ah non. On seul monde qui dit, on seul nom là. On seul nom qui là. Alléluia. Non, comment ma mère a fait des gousses ici par là? Elle mettait la main dedans, il passait comme ça, il passait comme ça. Hey! Est-ce qu'on entend moi bien? Mais on a wo yo yo, il est arrête s'il te plaît. Wo yo 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 yo. Et nous allez. Verset 21 à 22. Et nous allez là. Alléluia. 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Oui, verset 21-22. Oui, oui, oui. Lis ça, Martin, pour moi, s'il te plaît. Quoi? La Bible Martin. Martin. A pas d'un qu'à chercher, nous qu'à voir ça. Gardez la différence là, entre la création de la femme et la création de l'homme. Dans la Bible anglaise, il dit, amen, bon Dieu forma l'homme. Il forme man. Ça veut dire il forme. Mais en disant, dans la Bible anglaise, il est venu pour femme, bon Dieu pas dit, bon Dieu pas formé femme. Il made the woman. C'est différentes choses. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made, M-A-D-E, made he a woman. He pa form the woman, mais he pa formé, mais he fait. Est-ce que vous comprenez ça bien? And brought her unto the man. Ou pas ni Bible Martin? Il? Libre-moi, s'il te plaît. En le Bible Martin. Alléluia. Et l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit. Uh-huh. Et Dieu prit une de ses côtes et resserra la chair dans la place de cette côte. Oui. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise
d'Adam et la fit venir vers Adam. Voilà les mots que j'ai cherché. Il fit. Ben oui, moi je voulais tout verser. Hein. Tout. Il fait quoi? Fit. Alléluia. Et c'est là. Là nous avons tout été des bagailles. Man was born in pleasure and for pleasure. L'homme était né la. Woman was born in pleasure and for pleasure. Sorry. La femme est née dans le plaisir et pour le plaisir. Femme pas même ça. Amen. Mon bon gars, il saute en l'air quand cabit. Ou pas tant ça. Ou tant ça. Ou tant les bons bâtons. Woman was born in pleasure and for pleasure. La femme est née dans le plaisir et pour le plaisir. Est-ce que ça bien? L'homme fait avec bon Dieu après mener aller en laisse là il fait jardin. Ça veut dire que l'homme pas fait en dedans jardin plaisir. Mais femme née là. Ou pas tant ça, ou pas même capté. Vous voyez ça? Amen. Donc pourquoi de là nous kawé? On bagaille peut-être là nom là a fait papa papa nom là satisfait femme là pas satisfait avec ça, ça pas ni goût, ça pas rien. Non. Est-ce qu'on entend moi bien? Parce que femme là crée en plus plaisir que l'homme. L'homme oui, mais l'homme pas né à dedans. Donc hein? Yo pas comprendre ça. Donc chose plaisir, c'est pas nom là, c'est femme là. Yo, mais ça, non, nous pouvons comprendre ça, Ça trois fois pour nous, peut-être, nous pouvons comprendre ça. Mais nous, oh là, nous veut qu'aille nous, qu'aille commencer à oui ça, parce qu'on peut comprendre. On allait, parce que nous parlons beaucoup de temps toujours. Là, moi, j'arrive. Alléluia. Tends ça bien. Alléluia, nous j'allais. God made a woman. Dieu fit une femme. Where did he do it? Donc, où la fit-il? In the garden of Eden. Dans le jardin d'Éden. Or in the midst of pleasure. Ou bien au milieu du plaisir. This is why pleasure must be in a relationship for it to work. C'est pour la raison pour laquelle le plaisir doit faire partie d'une relation pour fonctionner. Also, procreation was destined to be with pleasure. Aussi, la procréation devait se faire avec plaisir. A procreation was destined to be with pleasure. Aussi, la procréation était destinée à être faite dans le plaisir. Destinée, mon mot là. Pas ni plaisir. La procréation était destinée pour te faire avec plaisir, mais les bonnes manières. Parce qu'il était bas en loi. Ou pas tant ça. Wouhou! Donc, si vous voulez pour un plaisir, il pas dit non, mais il y a une manière. Amen. Tant ça bien, il fait femme là. Il pas, he made the woman. And he formed the man, he made the woman. Ça veut dire que l'homme là, c'était modèle là. Gardez, made came from a Hebrew word, bow now. Mettre fin vient de l'hébreu baunau. To build. Qui signifie construire. Establish. Établir. Cause to continue. Permettre de continuer. C'est pas même bagarre là. Pardon, nom là, c'est un modèle. Un, comment on dit ça? Prototype. Hein? Femme là, bon Dieu, construit. Après modèle là il tenir. C'est pourquoi bon Dieu pas te ça fait en femme quand il te fait Adam, parce que c'était l'homme de la modèle là. Et c'est pour ça il prend en côte un homme là et il fait après modèle là qu'il te mettre là. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi l'homme a cherché un homme ou ni pour garder est-ce que l'homme t'a là c'est après modèle là que moi vraiment voulais là. Aïe. Est-ce que c'est vraiment modèle moyen qu'il a? Aïe, maman! Why? On me dit why? Regardez bien!
un modèle, c'est un modèle. Mais c'est pas à partir de ça ou qu'il construit ça. Est-ce que c'est bien? C'est ça l'homme teyé. Avec c'est pourquoi là nous garder l'évangile à bien, l'homme c'est vraiment la modèle que bon Dieu voulait. Le modèle. Hein, module. Le module. Le modèle. Vous pouvez comprendre, merci. Le modèle que bon Dieu a cherché. Hein? Et il n'y pour. Mais il dit ça, il fait un femme même quand il fait l'homme. Mais parce que l'homme était. Comment on dit ça? Forme, man. C'était modèle. Donc il prend Adam en côte et il allait faire une à partir de modèle là, mais il panique. Le mot français a ni formé là pour femme, mais moi pas même ça, moi préfère grec là, c'est qu'a il dit il fait. Et là quand regarde l'homme fait femme fait différent, pas regarder femme non. Femme construit en manière tellement fort. Là on y ont maman en les bois, on va mettre là, on va prendre pas là, on va mettre là. On va prendre pas là, on va mettre là. Parlons pas là, avec bras cassés ou fatigués. Tiens, chérie. Et qui n'y a pas les bras, même les bras, toutes les bras, tout le monde, il n'y a pas gêné là. Est-ce que vous voyez ça là? Amen. Et tu ne sais bien, tu ne sais bien. Bon Dieu, pourtant, pour pétrir les femmes là, parce que pour tu raison. Là, on regarde les femmes, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Il mettait. Amen. L'orgue de femme ou qu'on va son bail artistique, bon Dieu, bien pour un temps pour y faire. Parce que c'est pas ton modèle. Là, il a fait. Non, c'est un modèle là pour femme te faite. Il a ajouté. Bien construit. Donc la femme te construit là. Alléluia femme. Alléluia femme. Alléluia femme. Alléluia femme. Alléluia femme. Donc vous pas n'importe qui. Alléluia. Bon Dieu bien réfléchi pour y faire. Amen. Améliorer la photo. Alléluia. Wow. Bon Dieu. Oh God, oh Lord have mercy on me. Hallelujah. Have mercy on me, Lord. Tell ça bien. Hallelujah. The mystery between man and woman is le mystère entre l'homme et la femme. While man was formed, fashioned and framed by God, c'est que pendant que l'homme était formé, façonné, modelé par Dieu, the woman was built, establish, la femme était construite, établie, and caused to continue, et qui lui permit de continuer. Alléluia. A continuity of the fashion. Donc c'était la continuité d'une mode. Ah oui. D'un mode, d'un modèle. Ça bon Dieu te fait. Et pour qui ça bon Dieu te fait? Bon Dieu fait ça par tout qui ça? Ben nous nom. Alléluia, babotila, mais pas là. Bah, qui ça peut dire ça? Bah, nous, non, il dit ça. Hey, alléluia! Gardez un exemple, Et rapidement, verset 23 et 24. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, mm-hmm, et chair de ma chair. Où t'aimes ça? Voilà, voici, ça c'est modèle là. Voici ce qui est os de mes os et chair de os de l'homme qui a parlé là. Wow, ça c'est modèle. Mais c'est ça pour que tu voulais faire alors. C'est pour ça que tu es incomplet. Malheureusement, mais c'est ça que tu voulais faire. Oui, aïe aïe aïe, avec une plaisir et tout plaisir ni c'est pour ta moue maman tu aïe. Oui, alléluia. Et qui ça dit continuer?
Alors, un. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle était prise de l'homme. De l'homme. Amen. Est-ce que ça? Il était prise de l'homme. Mais bon Dieu, bien fait ou ben nous. Est-ce que vous avez entendu ça? Ou ça pas convaincu? On n'a pas un autre texte dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Et Corinthiens. 1 Corinthiens 11. En nous allez vivement. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Nous avons démontré que c'est ben nous qui avons fait. Et verset. Amen. À partir du verset 7. 1 Corinthiens 7 à 9. Oui. 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Femme là, c'est qui ça? La gloire de l'homme. Et continue, on va aller, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Et avec verset 9, on va aller. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. À cause de moi que on édifie. Fais ça ou voulez, on est à cause de moi. Et ça ou fait ça ou voulez, ou t'es né pour ni plaisir, et pour moi de moins joyeux, et pour moi un plaisir. Respectez ça. Wouh! Wouh! Amen! Bah, là, c'est. Est-ce que ma oui ou cap un plaisir? Est-ce que ou cap baille ma oui ou plaisir? Est-ce que vous avez fait en manière pour ma roue toujours joyeux parce que bon Dieu construit vous pour ça? Alléluia. Ah ouais, tu dis ma roue aussi, ma roue ça, ma roue aussi, ma roue ça, parce que bon Dieu construit vous pour ça et il construit vous pour bailler plaisir parce que il est, c'est vous qui n'êtes à mi-temps plaisir. Oui, on est à plaisir pour porter plaisir. Bye. Okay. Respectez ça. Okay. Bonne fête, maman. Amen. Woo! Alléluia. 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 Dernier verset. Là. Verset 5. Là. Dernier verset, nous avons fermé. Verset 25. 25, oui. Dernier verset. Là. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été honte. Ils étaient tous deux nus. Amen. They were not ashamed. Put to shame. Faire honte. C'est bien ça? Oui. Put to shame. Faire honte. Be ashamed. Avoir honte. Mm-hmm. Be disconcerted. Être déconcerté. Oui, be disappointed. Être déçu. Où est ça? C'est ça. Il pâté honte. Est-ce que ma ou déçu a pas dit de où? Est-ce que amen ou ka mené plaisir by? Est-ce que ma ou ka honte? Est-ce que ou ka fait honte? Est-ce que ou même ka honte? Ça veut dire yo pièce pâté honte. Yo pièce pâté ka désappointé. En dit dans en famille, en dans femme, en dans relation, nous pas ni pour ka honte. C'est pour ça yo déaté ni yo pâté honte. Honte ça veut dire yo pâté désappointé. Amen. Put to shame. Yo pâté jamais honte. Yo pâté ni honte, yo pâté amen. Hallelujah. Comment on dit ça? Déconcentré. Déconcerté. C'est-à-dire, yo t'es toujours joyeux, tout va être bien. Alléluia. C'est ça, mes amis. Donc, on est pour garder. Est-ce que yo t'es à ni? Parce que la gloire, bon Dieu, avec plaisir, bon Dieu, t'es qu'à couvrir ni d'ité. Est-ce que vous avez bien? Et yo t'es qu'à couvrir ni d'ité. Yo t'es qu'à couvrir yon à l'autre. Avec plaisir. Et yo pas te mentir rien. Est-ce qu'il y a de nudité dans ta famille? Est-ce que tu es bien construit? Bon, de former l'homme après un modèle pour te faire. Bye. Il prend temps de faire. Chave bien. Tout manque de plaisir qui ni en dedans foyer à qui mentir en l'homme là. C'est pourquoi l'homme fait attention
Des fois, yo pas qu'à jouer un plaisir en dedans, yo qu'à chercher. C'est pas faute l'homme parce que il bon Dieu t'a fait bail. Et pour y bon Dieu pour ça satisfait ma ou et pour ça wani joyeux et puis ça ni assez plaisir en dedans kaila et qui pas besoin chercher pièce côté parce que bon Dieu t'a construit pour ça. Bonne fête maman. Merci.